Derrière ces deux leaders, c'est donc désormais un Jean-Marie Clairet-Esselé que l'on retrouve en troisième position. Alors que juste derrière, la bagarre pour le gain de la quatrième place atteint. En revanche, elles sont paroxysme. William David, Romuald de Jolivière et Julien Brichet se disputent le pied du podium. Malgré une bagarre de tous les instants, c'est dans cet ordre que les trois pilotes passeront la ligne d'arrivée en dépit d'un retour tonitruant de Mikael Rossi en fin de course. Également sous pression que Johan Borrichier effectuera ses tout derniers virages. Pression d'Aurélien Comte, bien sûr, qui ne parviendra néanmoins pas à le détrôner. Scheyer décroche ainsi son tout premier succès dans la catégorie devant Aurélien Comte et Jean-Marie Clairet.